Frères et sœurs, c'est tout à fait anecdotique, mais il me plaît de le signaler pour commencer. Nous venons d'enregistrer la 500e émission de Il est midi, le 500e podcast. Ce ne sont évidemment que des chiffres, ça ne signifie pas grand-chose, mais c'est aussi le témoin de notre persévérance, de votre fidélité, de votre intérêt pour ces entretiens quotidiens. Je vous en remercie. Il se trouve en effet que le temps est venu de réévaluer notre formule. Je voudrais en effet introduire des changements importants. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il se trouve en effet qu'une récente évolution de mon ministère ne me permettra plus d'être au quotidien auprès de vous. Donc la formule telle que nous l'avons éprouvée, qui je crois avait un certain succès, ne peut tout simplement matériellement plus continuer, car je n'ai pas la disponibilité nécessaire. Cependant, je ne puis me résoudre à vous abandonner, même si dans l'immédiat je ne peux rien proposer de concret. Donc voici ce que je vous propose. Le temps que je retombe sur mes pattes, le temps que je trouve de nouveaux repères, et peut-être une nouvelle organisation, nous verrons bien, en espérant revenir bientôt pour une formule au quotidien, mais sans savoir déjà si cela sera possible, je vous propose que pour les semaines à venir, nous nous retrouvions tous les samedis midi pour une formule un peu plus développée. Peut-être 15 minutes, on verra. Peut-être 20, ça m'étonnerait. Je sais que vous appréciez les formats très courts. Dans cette formule, nous suivrons nos fils rouges habituels, nos thèmes habituels. J'essaierai d'adopter une présentation plus fluide, moins dense. Quand je dis que j'essaierai, c'est un vœu pieux peut-être. Il est sincère en tout cas. L'idée étant toujours d'essayer de nourrir votre vie spirituelle tout en vous offrant une formation, des éléments de connaissance nécessaires pour entretenir et pour vivre votre foi au quotidien. Voilà, il n'est pas possible pour moi d'en dire plus à présent, tout simplement parce que je ne sais pas. Il n'y aura donc pas de méditation cette semaine, ni les semaines suivantes. Je vous donne rendez-vous samedi, si j'y arrive. Il va me falloir un petit peu de souplesse pour m'adapter au nouveau rythme. Ce sera peut-être samedi suivant, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution de notre rendez-vous. Disons que pour le moment, je vais faire l'impossible pour vous proposer une méditation samedi prochain, donc le 29 janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, à laisser en commentaire, je lis toutes vos discussions avec beaucoup d'intérêt, ça me guide sur le fond comme sur la forme de nos méditations. Et d'ici là, n'oublions pas le plus important, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.